16, 17, 18, 19, 20, 30 c'est super ça. Ok, stop. Voilà. Ce que là c'est mieux. On était en 2000, c'était un assez bon moment pour me reposer assez radicalement des questions sur comment je fais des films, pourquoi j'en fais, est-ce que ça veut dire de faire du cinéma aujourd'hui comment le monde d'aujourd'hui se transforme, comment le monde des images se transforme, comment d'une certaine façon je me sentais plus du tout, si tu veux, solidaire avec une idée du cinéma français qui aussi m'avait beaucoup porté dans le sens où il y a une idée du cinéma français à laquelle je m'identifie totalement, mais enfin néanmoins à ce moment-là et par période, cette idée je la trouve en même temps me stimule moins ou plus ou pas. J'ai le sentiment de la trouver à la fois stérile, ronronnante, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, très conventionnel, très conformiste, avec une chose assez même asphyxiante. Donc à un moment donné, j'ai eu cette espèce d'asphyxie quoi, du cadre dans lequel... J'évoluais, je me suis dit, mais au fond, comment où je suis à ce moment précis, je peux absolument faire voler ça en éclats, en prenant, s'il le faut, le maximum de risques, je m'en fiche, etc. Et à un moment donné, tu vois, de partir dans quelque chose qui soit, où je suivrais purement une sorte d'instinct, en ayant une sorte de vague boussole. Et est-ce que c'est pas le moment d'essayer n'importe quoi et de voir où ça mène, quoi. Voilà. Tu vois, enfin, d'agiter les choses et de prendre vraiment, et de pas prendre de gants pour le faire. Là, j'accroche la chaîne. Donc, je refais le masque. Non, on refait, tu fais exactement ce que pas. Là, ouais, pareil, la même chose, mais c'est moi qui le cadre un peu différemment. Je vais essayer des trucs un peu. Ok. Bon. Moteur. Tourne. Yes.
Allez-y. Choper ces écrans-là et pouvoir remonter ici sur lui à ce moment-là. Hein. Ils vont te faire voir tout l'écran. Là, c'est pas mal. Là, c'est bien lui qui se lève. Oui, et en fait, c'est lui qui devrait nous entraîner, tu vois. Tout ça, c'est bien. Ça va beaucoup trop vite, je trouve. Lui, c'est pas mal qu'il s'asseye. Il peut être ou debout ou assis. Ça change strictement rien à l'affaire, etc. Le point d'être sur les écrans. Là, il me semble qu'en remontant, il faut remonter plus énergiquement. Ça, ici, c'est pas mal. Peut-être. Le personnage un peu trop présent. Et voilà. Et ensuite, il me semble que là. Charles, c'est bien. Après, l'arrivée de Charles, c'est pas mal. Monsieur Wolf veut annoncer le calendrier d'opération immobilière au Qatar. Il faut que vous ayez ici un nouveau prix détaillé. Il sera à l'hôtel de Manchester. Oui. On vient, monsieur Lamadi. Monsieur Lamadi est au courant. Je vous ai déjà dit que j'avais pas le temps là. Dans ce cas, il faut que je me coordonne avec lui aussi. Oui, sur le jet, donc, avec une garde. Absolument, mais. Vous voulez dire sur le jet? Oui, sur le jet. Oui. Dans ce cas-là, on se rappelle. Quand je suis ici, là-bas, et alors, j'ai peur, mes amis, de découvrir absolument tout ça dans la porte. J'ai réglé la porte pour pas voir moi-même, et du coup, je vois absolument tout, c'est-à-dire de Yorick à Julien. Olivier développe. Filme la scène entièrement, disons, sur un acteur qui, si possible, se déplacera. Et la caméra se déplacera avec lui, collant en quelque sorte au regard de l'acteur qui est hors champ. Puis ensuite, on va faire le contre-champ, c'est-à-dire enfin, l'inverse, c'est-à-dire à nouveau présent sur l'autre acteur, mais toujours près du premier. Cette fois-ci du premier, et à chaque instant, au montage, on pourra, il aura toute liberté pour passer d'un acteur à l'autre, d'un plan à l'autre. Naturellement, le système devient un peu plus intéressant quand on change l'axe du regard en cours de prise, quand on passe d'un acteur à l'autre au milieu de la prise, donc on a d'abord sur l'un, puis on passe par une transition sur l'autre, éventuellement on revient au premier, rendre ce système de plus en plus élaboré et sophistiqué, mais en fait, il repose sur ce principe-là. On rentre avec Chloé, et puis en fait, pendant le petit bout de dialogue, qui va être quand même assez bref, on avance très lentement, progressivement, pour arriver à cette place-là, qui est la place la plus serrée sur Conny. À un moment donné, au bout de leur dialogue, Chloé va poser les documents là, enfin, qu'elle a à la main ici, et elle va faire comme ça, et elle va repartir en arrondissant comme ça, et l'autre comme on l'a. Nous,
En fait, le moment où elle pose les dossiers, ouais, c'est ce qui déclenche. On piquera dessus. C'est ça qui déclenchera le départ, ouais, notre départ à nous. Ouais. Et ensuite, nous, on la précédera, on la tirera. Ouais. On la tirera. Et là, elle grommelle un truc, genre, elle n'est pas contente, etc. Ouais, attention de Hervé Charles, qui arrive et lui, on revient avec lui. Mm-hmm. Et entre-temps, Connie se sera déplacée et pour venir voir les dossiers que Chloé a posés par là. C'est tout ce qui concerne le Japon et la liste complète des documents qui étaient dans la serviette. Posez ça là. Et qu'est-ce que je fais des autres dossiers de Karen? Vous les transmettez à Hervé. Il y a des choses que je peux suivre en attendant que Karen... Vous ne suivez rien du tout. Vous transmettez comme je vous ai dit. Comment c'est un courrier, celle-là? T'as appelé Karen à la clinique? Je n'ai pas le temps. D'une certaine façon, chaque plan est un peu plus difficile et un peu plus long à faire. Mais en fait, à peu de frais, entre guillemets, chaque moment de chaque plan est intéressant. Ce qui ne serait pas le cas si on était en master gros plan, à moins de tourner une infinité d'angles. Moi, je me serais avancé un petit... Moi, j'aurais bien aimé m'avancer un peu plus sur lui à ce moment-là. Hein. Mm-hmm. Je serais allé chercher les actions. Ah oui, c'est vrai, j'ai totalement oublié. En bas. Oui, oui. En bas. Ici, là, ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Ça, c'est bien. Ouais. Là, on peut rester en hauteur, tu vois. Pourquoi on ne resterait pas en hauteur avec lui, là? Ah oui, d'accord. On descendrait que quand lui s'assied. Hein, tu vois. Et on descendrait que quand lui s'assied. D'accord. Oui, oui. Ça permettrait éventuellement d'aller chercher, y compris l'action de verser le café. Pourquoi pas, tu vois. OK. Et tu vois, et là ça éviterait d'avoir cette descente-là qui n'est pas jolie. Ouais, ouais. Et là... est-ce qu'on a de la marge pour avancer un peu ou pas? Bon. Voilà. C'est vous qui héritez de la couverture. Et alors, quand vous dormez, ce serait bien si vous dormez un peu sur le côté, un peu comme ça. Voilà. Ouais, comme ça, voilà. Ok. Soigne, là. Détail. Voilà. Okay. Ça, c'est bien. Bon, tu peux aussi redresser un petit peu la fille, okay, les plans, son siège, tu vois. On est prêts? Très légèrement, qu'elle ait toujours l'impression d'être couchée, mais en fait, qu'on triche un peu. Un petit peu, excusez. Voilà, pas plus que ça. C'est trop. C'est trop. Comme ça. Voilà, ça. Parfait. Ça, c'est vachement c'est bien. C'est bien. Denis, ça vaut le coup d'avoir le point ici à l'avant? Non. C'est le point là où il y a la lumière. Oui. Voilà. Comme ça. C'est pas mal, ça. OK. Attendez, excusez-moi, en fait, on ne voit pas du tout, mais tout, je vais enlever les trucs là et je vais les mettre, et ça ne va pas être très pratique, non, en plus. mais par contre, on va les mettre là. Écoute, que ça ne va pas être très pratique, on va au moins les... Non, mais ils sont un peu embellés, ouais, comme ça. Il faut pas que ça vous gêne, okay, non plus. Oui. Mais c'était bien quand vous étiez à la position que vous étiez. OK, allons-y. Moteur. Donc si on est 1 mètre en avance, il y a moins de pluie. Si on la met en arrière, il y a moins de pluie. Faut que, tu vois, lui, il a un truc qui tape exactement l'endroit de nez. Donc en même temps, ça se sent. Tu vois, quand elle est en fait.
Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une espèce de circulation fluide, internationale, un peu abstraite. Hein. C'est-à-dire qu'on puisse circuler entre l'Amérique, l'Asie et l'Europe sans trop se poser de questions. Enfin, ce qui est à la manière, on circule, enfin, les gens qui font des affaires, enfin, les gens qui sont dans cette espèce de sphère du monde internationalisé, qui soit. Évidemment, moi, une chose qui, pour plein de raisons, m'a toujours intéressé, c'est évidemment la manière dont l'Europe, l'Occident, enfin l'Europe, l'Asie rencontre l'Europe et les États-Unis d'une manière différente. Mais comment ces trois mondes sont en train de constituer ensemble et de manière concentrique, si tu veux, le monde dans lequel on vit et dans lequel on vivra de plus en plus. Le Tokyo aussi de Paul de l'Asie, c'est à la fois un monde réel et un monde abstrait. C'est un monde où on vient faire des affaires, c'est un monde où on produit des images, c'est un monde où se fabrique aussi le design, l'emballage pour le monde contemporain, et ensuite cet emballage et ces images circulent dans le monde occidental. Parce qu'on sera là sur ceux du truc et tout, etc. Et ensuite on panotera et on découvrira ceux de l'informatique. Tu vois, on recule, quand on reculera là. Et là on panote pour arriver sur nos personnages qui sont là et donc pivote autour d'eux. Mm-hmm. On n'a pas vu ça, tu vas regarder au-dessus. Oui, ça on s'en fiche parce que ça on le verra plus tard. Ça m'est égal, ça, pour l'instant. Et là on finit sur eux là. Je pense que ces lampes vont un peu nous emmerder, on va voir. Oui, on peut être sur des mouvements. Oui. C'est parti du décor. Oui, je sais, enfin. Ça, je pense que ça va beaucoup occuper le temps, on verra. Okay, bon, ça c'est. Bon, de toute façon, 3 ça suffit en soi. Donc là, il ne faut pas noter. Ou alors, il faut commencer à la suivante. On commence à la suivante. C'est 4, 6, 4, 6. 6, 6. Non. Voilà. Et il faut qu'il passe là, tu vois, ici, tu vois, là, et qu'il vienne s'asseoir là. Ça, c'est le film qui est en production en ce moment. C'est ça. Vous connaissez le principe? Aï et Mai sont deux sœurs ninjas qui combattent par la magie sexuelle dans un monde parallèle des monstres qui sont en service d'un clan adverse. C'est une série qui marche très bien. Aux États-Unis, c'est un grand succès. Ça a l'air d'aller mal pour elle. Je dis, ça a l'air d'aller mal pour elle. Non, c'est pas grave, c'est pas la peine d'introduire. Ensuite, il y a la réplique de Charles. Au moment de la réplique de Charles, on va chercher la réaction de Nao. Et ensuite, on revient sur Connie. On revient sur Connie qui sourit, qui prend une cigarette sur le truc et qui l'allume. D'accord. Voilà. Et il se remet pour regarder. Et après, on reprendra, tu vois, par contre, avant. Tu vois, enfin bref. Après, c'est l'autre. Ça a l'air d'aller mal pour elle. Hein? Je dis, ça a l'air d'aller mal pour elle. Non, c'est pas grave, c'est pas la peine de traduire. Un film comme celui-là, c'est déjà le passé. Tokyo Anime va continuer à les produire pendant 1 an, 2 ans en plus. Après, on va passer à l'animation digitale 3D à 100%. Autrement, c'est simple, on n'existera plus.
ouais, ce qui est techniquement, enfin ce qui est matériellement là, à l'instant précis, c'est infaisable. Enfin, je vois pas comment on fait. On est en bas là, sur les filles qui dansent. On sort, on passe sur les machins là. On passe sur les machins, on est sur eux là, qui font leur truc. On repasse là-dessus. On pivote là-dessus. Ils arrivent là dans la profondeur. Ils rentrent dans le bar. On est assez large ici, on est à l'épaule, ils entrent, il y a du monde autour du bar, il y a les écrans qui fonctionnent, enfin tous les machins qui doivent fonctionner fonctionnent, il y a un écran là, Clara, on est là sur leur entrée, ouais. sur l'entrée là, on recule, on panote, et on se dégage par ici pour les amener là. Non, on va même pas faire ça, parce que ça n'a pas d'intérêt, cet axe-là, en fait. On va faire ça. Sur le bar. Ça. Tu sais, on va partir comme ça, tu vois, sur leur entrée. Ouais. Ici, là. Tac, ils entrent, on découvre le bar. Ouais. On se dégage là. Ils passent là. Ils passent là. Et nous, on avance dans l'écran. Qu'est-ce que vous voulez boire? Whisky pour moi. Diane? Vodka. J'ai assez moyennement apprécié ton ironie. Tant pis pour toi. Tu trouves pas que tes insinuations étaient un peu lourdes? T'es très susceptible, hein. J'aurais mauvais esprit, je trouverais ça suspect. Et tu penses que moi, j'ai... Je pense rien, je m'en fous complètement de tes histoires. Commence pas à me prendre la tête avec ça. Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ! Alors, il faudrait régler le moment où Abby revient. C'est ça qui m'intéresse, moi. Là, pour l'instant, après le reste, le fond, je m'en fous. En fait, Connie se lève, et tu vois, elle va... Enfin, il faut qu'il y ait une sorte de croisement, tu vois. C'est qu'en fait, et Abby ira s'asseoir, en fait, à la place de Connie. That actually means that when you're moving, my look should like move from there to there to there to there, right? So I'm looking at her. Comme ça, c'est trop, c'est entre les deux. Voilà, ça c'est bien. Allez-y. C'est pas ton corps fini, c'est ton corps en train de passer. Position de contrat avec Token, mais... Tu veux regarder? J'ai fait une photocopie de mes mains. Non, je pense pas, non. Moi, je, en tout cas, je mets comme postulat de mes personnages
qu'ils sont, qu'ils aspirent à l'amour, qu'ils aspirent à quelque chose. Et je dirais, en tout cas, dans un personnage comme Hervé Le Millinec, dans un film pareil, ben, c'est d'autant plus intéressant, parce que justement, on n'est pas dans un monde facile à l'amour. On est dans un monde où l'amour est très difficile, voire impossible. D'ailleurs, l'histoire entre Diane et Hervé Le Millinec dans le film est super intéressante, et les scènes sont magnifiques, parce qu'on est toujours dans une zone double, où on ne sait pas, où il se méfie terriblement, parce que c'est un monde extrêmement violent, qui pardonne rien, où le business est roi et où le système, les machines mises en place par les hommes eux-mêmes dévorent les individus inéluctablement. Donc les personnages sont intelligents, ils le savent, et néanmoins, ils vont chercher quand même leur place d'individu, donc ils vont chercher leur petite part de bonheur, même s'ils sentent qu'elle est infime, ils vont vouloir y aller. So and I'm trying to like something like this. It's good on my face. Yes, this. You see, I just am nervous. How do we do this part without? Like, I think actually, the more you stretch your arm, the better. Look, like this. Yeah, something like this. Yeah, yeah, this is better. And so you go look. And then I think you should. The moment you see she has grabbed a piece of glass, I start to move back. You should move back because that's scary. Well, you know, I think it works. It's going so fast, even as they're doing, so I don't really see that. I'm trying to get a hold of her, and it's the only as she moves towards me that I move back. Okay, so if you move back, it just allows for a... Because, actually... Because at that point, you're not trying to cut her, you're trying to scare her. You mean, it's just like a gut survival. Yeah. You know, I'm not going to... But the wider the movement. So okay, so yeah. So I'm just saying, move back, and then I can swing it. Okay. So as soon as I see you touch the glass. Once you've grabbed it. Once you've grabbed it. C'est bien ça. Oui. Que j'ai déjà vu quelque part. And then it's black. Voilà. Et à ce moment-là... Il y a des ombres. Sortez les lumières, s'il vous plaît. Hop, on sort les lumières. Merci beaucoup. So now it's black and I can't see her, right? Is that it? Yeah. Yeah, start to go. Voilà. Donc ça, nous, on est assez bien là pour ça. En so, and, I, and now I wrap her back. Yes. Ah. And then fall on her, and she moves over. Yes. And I hit my head as I move down. Boom. Oh. Yeah. How do we do that? We're going to the insert. Yeah. Then I go to this. And then... Ça c'est limite nous en bougeant ici, comme ça on peut avoir ça ici qui est pas mal, hein, qui est pas mal. And then, ouais. Voilà, et comme ça on a le move, ça c'est pas mal, et on revient, sur Condy. Ça c'est très bien. This is very good, parce que c'est le moment où on sera sur le Do you prefer that I don't go too far away, Denis, so you still have that light there? No, because you have another one there. I have another one there. Yeah. So when it becomes dark and I can't see her over there, that's where it is here, and I have to like listen for her. Yeah, exactly. Okay. And you're looking for I think you're looking for the wall because at least you know that you know it's something. Well, I do have light. Does that translate? Is that in? Yes, it does. So I know I'm visible. Yes, you're visible. Which is kind of scary. Yes. So I'm visible now, and she's somewhere where I can't see. Yeah, but there it definitely look like I'm like far from the wall. Bam.
See, I really like that. Because it really felt like, because you believe that the Kadihat is just also so disoriented. Yeah. That, I thought that one was better than the other one. Okay, now, video man out of here. On s'est retrouvé là. Pourquoi on n'a pas fait le repérage là où il y en avait, quoi. Enfin, pourquoi on n'a pas demandé ça, quoi. Nous, le retour qu'on a eu, c'est que le désert était vers le nord, en fait, toujours. Oui, en s'approchant des passos. Hermosillo, c'est dans cette direction-là, en effet. Enfin, je sais pas, enfin, j'en sais rien, il suffit de regarder une carte, j'en sais rien, il faut se renseigner, quoi. Je comprends pas pourquoi. Enfin, tu vois, enfin, là, c'est un peu énorme. Mais j'arrive, c'est vrai que j'arrive pas à comprendre.
ça mal, quoi. Ouais. Moi, je trouve pas ça mal. Je trouve ça fou. Mais est-ce que c'est... est-ce qu'il n'y a pas la même chose? La sortie de Chihuahua. Non, 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 sur Chihuahua, je pense pas que ça a été mal. Parce que là, au résultat, tu vois, on fait deux bâtiments qui sont une vie animale, une perspective, on ne voit pas grand chose. Enfin, tu vois, après, parce que t'as envie d'être dans un truc plutôt épuré un peu, ouais. Mais dans ce cas-là, c'est pas. Il faut changer d'hôtel. Dans ce cas-là, non, mais c'est carrément changer de ville. Tu vois, il faut changer de ville, pas changer d'hôtel. Ouais. Tu vois, il faut aller, tu vois, faire à Mexico, au machin. Et encore, il n'est pas neutre non plus, hein. C'est loin de là. Il reste des trucs quand même. Il reste quand même. Il y a le canapé, le buffet. Oui, mais c'est presque moins intense que le truc crème. Il y a un truc à la fois qui est moche, mais qui a une espèce de. Alors, ouais, là, on s'échappe encore d'une de trouver un peu plus. Là, on n'est plus loin du tout. Allez-y. Has prompted the evacuation of a woman. And that's the fact. Back to the primitive! Passenger is the 12th. Thank you.
copain. I tried to throw it less hard, but... Yeah, no, but I think it was fine. It looked very good. No, no, it was right... right on. Très bien. D'accord. Il n'y a pas le choix. Non, mais c'est très bien. Okay. Très bien. Le concept même du Mexique était, quel que soit le décor et quel que soit le budget dépensé, de tourner de façon légère en 16 mm, donc choix esthétique, choix éventuellement financier aussi. Là, j'ouvre une parenthèse, on avait, pour fin août, début septembre, fait des tests de 16 mm, super 16, cadrés pour anamorphique, c'est-à-dire en utilisant une petite partie du négatif seulement, et gonflé 35. Et c'était de la boue, tout simplement. Et on a refait des tests là, et puisque la chaîne du film passe par la numérisation et l'étalonnage numérique, on a obtenu, puisqu'on a fait des essais sur des scènes de nuit, puisque presque l'entièreté du tournage mexicain est de nuit, on obtient des choses très intéressantes, que j'aurais du mal à décrire, parce que je les ai vues qu'une fois, et que ça doit durer 40 secondes, mais en tout cas, l'idée était de pouvoir redonner une consistance au noir qui était devenu laiteux par la sous-exposition, l'agrandissement, etc. Et de donner un caractère à l'image qui... on ne cherche pas à faire une belle nuit 35 mm, on cherche à faire quelque chose de très... Un mot que j'aime pas trop parce que quand on est très usé depuis 20 ans, quelque chose de très graphique, de très... probablement à la limite du noir et blanc, avec quelques couleurs ressortant de temps en temps. Quelque chose pas naturaliste, en tout cas. Alors, on ne sait pas encore trop quoi, d'ailleurs. On le saura quand on manipulera les images plus tard. On sait simplement que c'est possible. On sait qu'en Super 16, on peut obtenir, on l'a déjà vu, une chose qui a l'air très intéressante, et je pense qu'il y en a une infinité d'autres qu'on peut obtenir de cette façon-là. Little pills, so I lost my breast, and I shortened my height, and I'm feeling very strong now. Il fait jour.
C'est pas mal ça. Ça me fait le coup. Ça. On y va? Ok, moteur. Moteur demandé. Ok, vas-y. Je pense qu'il faut des lieux, il y a des cheveux. Il fallait la rouvrir. Moi j'avais dit à Sonomar, j'ai demandé qu'elle soit complètement. Bah oui, c'est ça. C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Parce qu'en fait, mais tu vois que les voitures vont être en travers sur le toit. Les bidons et tout, c'est impossible. À mon avis, ça va être dur. Faut qu'on commence par ça dès qu'il fait nuit, quoi. Ah oui, 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 bien sûr. Moi, je suis arrivé ici et on m'a dit le trou, c'est ça. Ah, et donc les accès sont là. Ah, j'ai dit, mais c'est pas là qu'il fallait le faire. Non, non, c'est là-bas, finalement, monsieur. C'est là. Combien de temps pour faire passer les nacelles? Cuidado, señores, a la orilla, por favor, gracias. 2 heures. Ouais, genre une journée, genre 17h ou je sais pas quoi, et où on est sur différentes équipes qui font pas exactement les mêmes choses. Oui, je comprends bien. C'est en fait, moi j'aurais dû venir plus tôt avec les cascadeurs. Comment les pauvres? Oui. C'est mieux que ce soit moi qui a écrit. Oui, oui, oui. Oui. Bah oui, mais si tu veux, le problème, c'est comme tout a été fait à l'envers, mais je sais oui, pas pourquoi, tu vois. Donc à un moment, c'est pas non, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc de base qui va pas, donc je sais pas. C'est la journée la plus difficile qu'on a à faire. Ça commence par le fait que Connie est pas là pour qu'on fasse le plan qu'on a besoin de faire. Et ensuite, on fait tout à l'envers, et il n'y a pas de pensée là de où on met le canevas. Donc à un moment donné, que je sois pas à joie, quoi. Parce que je veux dire, on va perdre le crépuscule, on est d'emblée planté. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois. I'm just worried about the light. Il n'y a pas moyen d'avoir l'arrière qui chasse ça, et qui va amorcer. En fait, le dernier fois que je voulais le faire ici, je voulais le faire là-dedans. Ah ouais, d'accord. Je tape les bidons avant. Ouais. Ça t'intéresse d'avoir les bidons. Ouais. Voilà. Je déclenche ici comme ça et je vais mourir là-dedans. Ouais, ça c'est pas. Ouais, c'est essayons. Il y a un risque que la voiture se soulève un peu, peut-être. Mais ça veut dire que tout ce qu'on a fait précédemment n'est pas utilisable. C'est toujours la mort de l'ange. Avec l'avant, avec le nez plutôt par ici. Voilà, comme ça, la faire déraper. Elle est dedans, la faire déraper. Bon, allez, on essaye ça, on le fait une dernière fois. Thank you.
venu. Oh, ça se vient. C'est bien. Des fours, le chef. Pour mieux qu'il y ait un truc qui marche. Ce soir, c'est la nuit la plus chère du film, en fait. Parce qu'on réunit la nuit, on réunit toute une équipe déplacée, on réunit des effets spéciaux, des cascades, trois caméras, enfin bref. Donc il y a tout. C'est notre journée la plus chère. C'est ça, là. Un comme ça, triché, entre le pick-up et ça sera plus beau, peut-être, ouais. On s'en fout d'ailleurs de la logique complètement. Et de mettre la bagnole plus loin, soit qu'il brûle carrément plus loin. Celle-là. Ouais, celle-là. Et la reculer, la voiture de Diane, ouais, et la faire brûler là. Ouais, là. Comme ça avec des flammes feu, moins. Toi, deux lignes de feu voilà. Entre le bas-côté voilà. Et toute la route voilà. Là. Voilà. Et on barre comme ça le truc, plus ça qui brûle sur le côté. Le pick-up. Ouais, ouais. Enfin, dans le fossé. Ouais. Lui, il se rencontre en bas, quoi. Hein? À la limite, le pick-up, on l'a perdu, donc à la limite, il n'est pas obligé de brûler. Tu vois. Ce qui est beau, c'est le rideau qui est au-dessus. Parce qu'à partir du moment où il a balancé le truc, si ça peut, il y a un truc qui prend feu, et puis c'est ce truc-là qu'on suit. Ouais. Il faudra un peu le régler au plan, ça. Oui, ouais, bien sûr, mais c'est pour avoir une idée déjà un peu. Ouais. C'est très triste. Mais tu sais, ça va être vraiment bizarre de rentrer à la maison et de ne pas être avec ces gens-là tous les jours. Tu vois, mais je suis très fatiguée. J'ai vraiment besoin d'une vacance. Je suis complètement épuisée. Non, ça va être très très bizarre en fait de ne. Je sais que au début je vais être je suis libre et du coup je vais devenir complètement déprimée comme tous les fois. Je deviens complètement déprimée après et bon, il faut se remettre à faire sa propre vie encore une fois.